jwenn un fami ki nan diaspora gwo ti kòb bou apre genyen un moun ki sou kati a k ap prete l'ajan k'ap bay pou ya et bien budget sa gwo 36.4% de dèt ladan ke l'interne ke l'externe comment kòb la soti pa bien m'dou kòb la pa a suffisant se prete ou prete plus kòb ou il va soti nan depanse courante et la depanse d'investissement et bien nou pral wè nan depanse courante la 121 milliards de goud et la ressource domestique ou 89 milliards de goud. Qui veut dire pas même prêter comme ou bien chercher don pour capable arriver ces dépenses courantes. Payer car là acheter manger si gros problème santé. Donc le budget ça n'est pas même qu'à couvrir dépenses courantes. C'est pour moi qu'on va choper pour année dernière ça veut dire en quelque sorte sur économie et budget ça chiffre exprimé pour l'an qui est pays à aujourd'hui à là. Donc c'est comme ça qu'on analyse un budget. Il y a un programme et projet qui est 59,3 milliards de gouttes. Un point positif, par contre, il a concrétisé. C'est pour la première fois depuis quelques années que moi, trésor public, j'ai engagé la plus de 20 milliards de gouttes. Malgré que je n'ai pas capable de faire des postes courantes, mais j'ai mis l'argent pour des programmes et projets. Bien que le bras dominé en grande partie par dons et emplois. Donc voilà comment, voyez-moi, on t'a posé question. Comme la comment entrer, bon, trois façons, mais retenu que ton groupe d'être là-dedans, de prendre des sous-dettes, et comment l'absorption dans des postes courants qui dominent, et hier, on a fait une grosse discussion avec le ministre, côté on a regardé transferts et subventions. En général, transferts et subventions qu'on domine par poisson, argent, parlementaire, là, les parlementaires pas là, malgré ça, subventions extrêmement élevées, parce que dans l'écriture qui est passée qu'on y a là, nous, qui ça a aidé à se représenter, nous, qui ça, on a subventionné pétrole, pour les gens qui ont des automobiles, qui ça va représenter comme subvention qui vient en poids lourd dans le budget pays d'Haïti. En économie, Christian Farel, prêter, faire dette, ce n'est pas ça le problème, non? C'est normal. Où est-ce que mieux là? Et font-y monter. Ok, ok. En économie, Christian Farel, ce n'est pas prêter avec faire dette, ce n'est pas ça le problème, non? C'est qui sont le faire avec comme ça? 36% financement ça qui est dans le budget, c'est création, richesse qu'on va faire avec lui ou bien consommation? Très bonne question. L'on prête fort, il dit que c'est un coup cholestérol, il y a bon cholestérol, il y a mauvais cholestérol. Donc il y a bon dette, il y a mauvais dette. Donc si on prête ou fait investissement avec elle, il va rentabiliser pour qu'on remette comme là. Il y a de mauvais. Mais t'as soit prêté et que quand il y a là, ça on fait avec elle, ou jouer comme là, ou à le web, et nous sommes capables de prendre des exemples, nous sommes capables de dire familial. Si nous prêtons comme marche qu'on caille, pour investissement, je n'ai pas de cas là, après me faire comme avec. Si je m'achète un automobile, après me faire activité avec ma protéine, il va me problème, non. Mais tout le qu'on fait, c'est simplement la consommation. Donc, on y a le cabot de difficulté en quelque sorte. Donc, je dis à la génération future là, parce que je vais garantir à l'âge, je vais me payer tout comme ça, parce que dette là augmente considérablement. Et nous allons continuer là, éclatement budget pour nous garder comment comme là, qui côté le bras, numéro 1, NTTTC, numéro 2, MSPP. Troisième poste en budget, c'est le service de la dette. Donc, bonne dette qui nous fait pendant 10 dernières années, qui fait que le service dette l'a passé à 20 milliards de gouttes, c'est le troisième poste du budget national. Il dit que le service de la dette devant l'éducation. Donc, ça fait un jeune garçon, jeune femme, je suppose, à poser des questions. Maintenant, payer des prêts comme ça, qu'est-ce qu'il va payer comme la bonne? C'est certainement pas moi qui ai 50, 60, parce que, qui peut aller, parce que c'est une garde d'espérance de vie à la population. Il dit qu'il va diminuer avec le coronavirus. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde qui a 15, 20 ans aujourd'hui, c'est pour le payer de ça. Donc, c'est une question très pertinente. On a augmenté la dette là, alors que nous avons fait 10 ans de mauvaise dette, qui est arrivé par exemple. Qui s'est fait tout arriver pour votre pays? Cette question s'est posée pour Kawel. Donc voilà une question très pertinente qu'on a regardé, prêter à oui, mais pour faire quoi? Et qui s'est quitté pour génération future là. Mais c'est un problème local simplement, c'est un problème mondial, côté que l'économie mondiale a lancé comme la journée là, une situation de dette, et les générations futures seront les frais. Pour le côté, Christian Farel, là, nous avons fait budget, et nous sommes spécialistes là-dedans, nous avons fait budget dans la nous. Par exemple, nous avons fait un budget sur un mois, mais ce n'est pas l'arrivée sur 28 jours, non, et nous faisons budget. Et c'est pratiquement ça que nous avons fait avec budget, ça là, 4 mois après, nous avons fait budget, et puis c'est à partir de 4 mois ça, nous faisons budget. Il y a 8 mois passés là-dedans. Nous avons considéré ça comme un budget, Christian Farel. Le budget, et le ministère de Douli, ça y est, oui, c'est des prévisions. Donc, ce sont des instruments pour le permettre, pour le prévoir, ça peut le passer. Par exemple, lorsque le budget a été fait en octobre, ça va être 18 milliards de gouttes. Là, pas de groupe en bas du ministre, il va être 18 milliards de gouttes après, il va être bon comme là. C'est chaque mois pour la banque de l'argent,
et chaque mois la dépenser. Une question pertinente. Et ou même, la CAIPO est capable de ça. Donc, si que depuis le 15, vous avez dépensé l'argent, donc c'est prêt au bras le prêter. Donc, le mois prochain, vous pensez hypothéquer pour garantir le bénéfice là. Donc, c'est ça qui est important de l'éducation financière pour comprendre la vie. On répète encore, on ne parle pas de milliards de gouttes. Même dans la loi retirée, il y a moins de 98 000 gouttes qui touchent pour année. Pas grand entreprise, c'est 98 millions de gouttes qui ont de recettes pour année. Donc, il n'y a pas différent de budget pour la famille à loi, de budget et entreprise là, et de budget national là. Seule différence, c'est théorie des ensembles, pas même plus petit parce qu'ils sont sous ensemble, entreprise moins plus grand parce que le plus grand que famille moyenne, commune n'a plus grand que de ça, jusqu'à ce que nous ayons grand chambre financière là qui paye là. Donc, même discipline qu'on suppose gagner dans la vie pour là, et bien c'est discipline ça pour nous gagner au niveau national. Et ça fait que le budget ça, il n'est pas appartenu à la ministre des Finances là. Nous voyons en général, ah, pour le budget, on a le ministre des Finances. Non. Le ministère des Finances, non, c'est là pour prendre tout ça qui vient, l'éducation, la santé, l'endroit. Le budget appartient au président de la République parce que c'est lui qui est à l'élection et fait promesse. Quand il y a lui pour un premier ministre, il dit comme la constitution dit, je ne suis pas capable de faire, mais même de pouvoir exécuter le budget. Le premier ministre lui-même, ça le prend le faire, il prend le dire, ok, d'accord, comme moi-même, je vois ça, eh bien, bon pour un ordinateur, eh bien, c'est le ministère des Finances. Mais c'est un ordinateur qui est. C'est entrer les chiffres là en ordinateur pour le bon résultat. Et ouais, en général, le coup est plongé sur le ministère des Finances là, alors que le ministère des Finances là, lui-même est supposé exécuter ça que on voit les politiques publiques et qui ça que politique là pral fait au niveau des chiffres là. Ma prétendue pour la énième fois, le budget est un instrument d'abord politique avant d'être économique et financier. C'est le budget du président de la République. Oui, oui, oui. Parce que j'ai dit l'élection, il prend des engagements, entre autres. Et nous bien entendons différents éléments ou partagés dans le budget. Maintenant, hier, j'avais posé la question au ministre de l'économie et des finances par rapport à la proportion et financement au Bézantéla, on s'est évoqué là, et c'est 72 milliards de gourdes par rapport à problème d'attraction ou d'attractivité ou de sexiness qui était évoqué, moi, ça, que Bombay RHOK a représenté dans le contexte d'inflation. Supérieur à 22% de chute de la valeur de la goutte par rapport au dollar en deux ans autour de 70%. Et BRH, déposé ministre en question hier, ils ont dit mais par contre combien de financement monétaire là est au 9 juin. Et en même temps, parce que notre politique monétaire est pour sortir. Et déposé ministre en question, est-ce qu'il a garanti PIA par rapport à la situation ça et par rapport à budget qu'à la fin de l'exercice, inflation a pas pu aggraver, que taux de change n'a pas continué à décliner, que nous pas fini avec un déficit budgétaire record. Qui perspective vous sur cet aspect-là, Christian Farrell? Une question très pertinente, parce que le fiscal-là, il est à monétaire-là. D'ailleurs, jusqu'à récemment, pour l'homme de l'école, nous avons dit que le fiscal politique, la politique fiscale, c'est lui qui pose les lignes avant la politique politique. Aujourd'hui, on a mon. Allô? Ça va? Allô? Oui, l'âme de l'homme. Oui. Là, donc, je vais te la changer parce que si vous voulez, politique fiscale, là, eh bien, liée à la politique monétaire, là. Et politique fiscale, là, supposé venir avant la politique monétaire, là. Et toute mauvaise politique fiscale, ça a un impact sur la politique monétaire. Mais moi, c'est une politique fiscale, là, c'est entrer avec sortir. Donc, c'est ça que fait notre dos, là, que nous avons un point BRH. La troisième partie du budget financement, bien que, hormis là, lorsque, au fond de toute prévision, j'ai aucun contact avec les aléas, après prévision, pas concrétisé, pas inquiété, c'est lui qui va aller l'un de la suivante, à savoir si dernier préféré pour dire que d'accord, pour ne pas le courir. C'est lui qui n'est pas capable de considérer comme un cas de bail pour l'instant. Je n'étais pas là, nous pas capable de discuter pour le moment. Par exemple, par contre, il s'agit de l'élevé, mais c'est lui qui va le prêter des parts d'argent. Donc, en ce sens, si que nous dit 89 milliards de gouttes que le gouvernement a compté entre eux, si nous parlons de 89 milliards de gouttes là, on voit que l'IS qui va supporter ça. Aujourd'hui là, pendant 6 premiers mois, il fait 6 fiscales là. Vous êtes déjà rapproché de l'économie que nous voyons que COB, que Banque Centrale, est supposé traiter l'État. Donc, est-ce que des marges qui parlent pour des bâtiments? Donc, si on y a là, vous êtes des cyclos, pas concrétisés,
parce que nous connaissons comme moi à trois semaines, nous sommes en train de répondre à une continuité dans un mois d'août, un mois d'août, parce qu'on expose notre tête. Mais si on n'est pas venu en même quantité pour une télécope parce que le train pour choc, est-ce que c'est pas la même que notre propre alphabet pour dire que c'est un besoin comme encore? Si les dons qui baillent, vous avez dit là tout à l'heure, que n'ont pas concrétisé et que c'est des promesses, c'est pas d'être financé par l'exercice fiscal, ça, c'est la même fenêtre sur le encore, bon côté banque sociale là. Donc 30 milliards de gouttes là, bon, c'est pas la première fois qu'on a qu'il y a un tête qui fait tête ministère des Finances avec le gouvernement, avec l'équipe banque sociale là, conseil d'administration, et que nous dépassons le niveau. Yo. Donc c'est ça qui fait que il y a des gens qui ont gardé le budget ça, qui parlent d'un temps déjà dit, ah, attention, budget extrêmement ambitieux.